Et comme promis, nous allons parler soutien psychologique avec Damien Létan, rédacteur en chef du journal Le Littoral en Charente-Maritime. Bonjour Damien, il y a un article dans votre journal à ce sujet aujourd'hui. Oui, bonjour, tout à fait. Dans l'édition du Littoral d'aujourd'hui, nous avons décidé de revenir sur les conséquences psychologiques du confinement, donc qui a duré 2 mois, et sur le déconfinement à venir. Pour cela, nous avons réalisé une interview du psychiatre saugeonnais Olivier Dubois, qui est particulièrement connu parce qu'il est aussi le directeur des Thermes de Saujon, l'établissement spécialisé sur toutes les questions liées au burn-out. Donc, il revient longuement sur les séquelles psychologiques, les différents états dépressifs que peuvent connaître le patient, mais il fait un parallèle d'ailleurs très intéressant avec les marins qui peuvent être en mer plusieurs mois et qui ont des difficultés parfois à revenir en terre soudainement. Mais il y a aussi des aspects positifs en disant que même si voilà, on va être marqué à vivre pendant très longtemps par cette période, certaines personnes bien sûr retrouveront confiance en elles. Et ce qui est surtout important, il appuie sur plusieurs points, c'est de conserver son hygiène de vie, ses rythmes, ses horaires de lever, de repas et de coucher pour avoir un semblant de vie normale pendant ces périodes compliquées. Merci beaucoup Damien Létan, rédacteur en chef du Littoral en Charente-Maritime.